de Super Mario Galaxy. Donc on va reprendre mon fichier, il est là. Et la petite nouveauté cette fois-ci, c'est que comme on a fait le jeu entièrement avec Mario, maintenant on va faire le jeu entièrement avec Luigi. Exactement, Luigi, mesdames et messieurs. Bon, maintenant, puisque maintenant ça va être, maintenant ça va devenir, comment dire ça? J'ai pu le dire, ça va devenir maintenant super, c'est plus Super Mario Galaxy, ça devient Super Luigi Galaxy. Donc du coup, on va faire refaire tout le jeu entièrement, les étoiles, tout ce qui va avec Luigi. Allez, c'est parti. Et salut tout le monde, c'est Théop78, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Mario Galaxy version Luigi. Donc on va continuer directement la terrasse tout simplement. Et hop là. Donc on avait fait le début d'aventure, on avait fait le premier niveau, oui voilà. Maintenant, comme j'ai maintenant 4 étoiles, j'ai assez de puissance pour débloquer cette nouvelle galaxie. Juste comme ça, donc ça ouais, ça c'est les royaumes des abeilles. Hop, c'est parti. Allez. Envole-toi Luigi abeille. Envole-toi. Donc, c'est parti pour faire un peu de bise-bise, vite fait. Ah, j'ai vu un truc qui m'a tapé à l'œil. Ah, il y a un L, mais il n'y a pas de L, c'est nul. Bon, tant pis, je rigole. Hop. Est-ce que je peux prendre la petite vie qui est là? Oui, je peux la prendre, merci. Au revoir. Ah, tiens, que... Revue des abeilles. Et gouverné par Sa Majesté la Reine. Merci pour l'accueil. C'est gentil. Bon, salut Sa Majesté. Alors, vous voulez m'avoir? Bah, c'est rapide. On va essayer d'en casser un ou deux, histoire d'eux. Bah, merde, putain. Voilà. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Bon, j'en ai chopé suffisamment. Ah, je fais peur? Bah, rip alors. Oh. Le Luigi abeille, la naissance. Par contre, je vais prendre cette petite pièce puisque... Voilà. Oh, tu sais, je me promène, moi, je m'en fous, tu sais. Je me promène un peu, je m'en fous. Luigi a besoin de découvrir aussi un petit peu la galaxie, t'es d'accord avec moi? Bon après je dis ça, il s'en bat les couilles. Par là, qu'est-ce que tu peux apercevoir le château de Sa Majesté? Bon bah d'accord, bah après tu me faudra... Ah putain là, le Luigi tellement qu'il est galère! Ah cool. Luigi abeille. Par contre, ça je vais oublier. Hop. Bah alors on va me tuer, mais c'est moi qui vous tue. Moi il faudrait choisir moi au bout d'un moment, parce que moi je comprends plus rien. Ah ouais, pas mal. Oui, Non. Pas tout de suite, je veux d'abord la petite vie. Voilà. Ah, je tombe. Merde. Allez, on monte. Voilà.
Là, bien sûr, les plateformes fleurs que tu peux passer uniquement quand t'es en abeille, puisque quand t'es en no costume, bah le truc il se pète. Oh, ils ont voulu m'avoir. Bah, ils ont fini dans le trou noir. Bye bye. Je vais voir sa majesté, écoute, ça va être sympa comme tout. Ah bon, bah non. Ah le pauvre. Ah c'est... Les rouges sont plus têtes chercheuses. Tac, au vol. Hop, c'est parti. Bon, encore de l'obstacle. Ça, c'est un mur de miel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, d'accord. Pour des pièces, hein, pourquoi pas, hein. Hop, 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 on y va. Régime, toi. Je te le dis un paquet de fois, fais un régime, bordel de merde. Tiens, mademoiselle. Un nouveau sujet. J'ai un sel, ça me demande, ça me gratte un peu partout. Bon, bah on va aller voir Sa Majesté, écoute. Hein. Donc, moi je suis Luigi, et puis je suis... Je suis pas bien jouable sur Mario Super Mario Galaxy et puis je suis frère de Mario, toujours aussi peureux. Je me sens bien plus propre. Je ferai appel à toi si j'ai besoin d'autre chose. Bon bah pour un remerciement, écoute, hein, c'est correct, hein. Non, je rigole, c'est pas... Sympa. C'est sympa. Wow. Comment on va te faire pour rentrer? Jason, il souffle. Ah, celui... Bonjour, Luigi. Aïe. Y'a une abeille. Tiens, Luigi, c'est bien toi. Nous avons réussi à nous enfuir du château de la princesse Peach. Mais pendant notre fuite, Bowser nous a attaqué. Nous avons été séparés de l'autre Luigi. Donc on se dit... Ah, au fait, nous avons trouvé une super étoile. Prends-la, je suis sûr qu'elle te sera utile. Ah, ça c'est très gentil, ça. J'apprécie. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mon super étoile. Il dort. Hop. Enfin, je vais prendre ça pour partir. Bon. Ah, Harmonie a un truc à me dire. Qu'est-ce que ça va être? Envole-toi, oui. Oui. Là, c'est bon. Ah. Non, ça doit être un truc à part, ça. Luigi, c'est bien ainsi que tu t'appelles, n'est-ce pas? C'est ce que m'ont dit tes amis qui sont arrivés ici tout à l'heure. Luigi, je ne sais pas pourquoi, ce nom me rend nostalgique. Bah, c'est pareil pour Mario, en plus. J'ai conduit tes amis au garage. Ils ont l'avoir du tout à te dire, tu devrais vite aller les voir. Je vais y aller, après avoir sauvegardé, bien sûr. Voilà, comme ça.
Ah ah ah, tiens, un petit message. La naissance des messages de Peach. Dès qu'il va démarrer Super Mario Galaxy, je suis le facteur, une lettre est arrivée pour toi. Hein, sur Mario? Oh merde. Je me trouve très loin, très très loin. J'espère que ce que j'ai joint à cette lettre sera utile. Elle est dressée à Mario. Courage Luigi, ne baisse pas les bras. 20 one up. Oh la vache, j'achète. J'achète. Putain, 20 vies. Sinon je vais rentrer à la maison. Crois-moi, t'es à l'abri ici. Ah putain, c'est contrôle. C'est contrôle, putain. Je sais pas trop comment nous aussi sommes arrivés jusqu'ici. Secourir les super étoiles et la princesse Peach. Ce jeu compte bien. Un vaisseau spatial. Ah. Ok, tiens, ça c'est le petit Donatello. Bah moi, contre Zanina, moi j'appuie sur MKWI, écoute. Avec son petit Luma qui sert à rien, enfin non, on n'est pas sur MKWI, on est dans Super Mario Galaxy. Par contre, ces contrôles, ils sont absolument horribles, franchement, je supporte pas du tout. Du coup, on sait toujours rien, hop. Le royaume des abeilles, tac. Mais, franchement, avec 20 vies, je vais être tranquille, moi. L'incident de la tour d'observation, bon, ça va être encore... Ah, ça sent le boss encore, tout ça. Ou un semi-boss. On ramasse tout. On fait un peu le ménage. T'as vu? C'est nouveau. Hop. On casse tout. Régime, je te dis plusieurs fois, putain de plante. Un petit passage. Hop, on va là. On va aller loin, on va aller loin. Hop. Ensuite, où est-ce que je vais? Quoi ça? Oh, elle a fait un régime, putain. Mais vous êtes moche en plus. Ah 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 ah, je dois calmer. Ah, la colère du Wiggler. Ne jamais oublier ça.
Bonza. Donc, je vais approcher de la troupe d'observation. Les scarabées ont envahi la troupe d'observation. Damnation. Oh, c'est un peu un semi-boss le truc en fait. Bon, allez, ouais. Ah, faut que je l'actionne, je pense. Ah, juste ici. Petit moulin qui tourne. Ça. Salut les affreux. Oh, il est en colère. Merde, non. Non, non, non. J'ai besoin d'une vie. Oh, tiens. Où est-ce que je vais chercher? Oui. Vous êtes moche. Hop, on fait ça, avec ça je vais être tranquille. Tac. Allez s'il te plaît, voilà, merci. Salut l'affreux. Oh, c'est fini, je suis triste. Merde! Oh. Je voulais les prendre les pièces à la base. Mais tant pis. Maintenant, je devrais avoir. Hop, on sauvegarde. Pas oublier aussi qu'il y a une étoile secrète aussi qui est cachée dans chaque niveau. Bon, le premier ça je l'ai pas, ça c'est sûr. Je pense qu'Arabé contre-attaque. Je pense qu'il y a. Je me rappelle plus, il y a une pièce secrète dans. Il y a une étoile secrète. Je sais pas pourquoi je dis pièce secrète. Ah oui, ça. Oula. C'est pas content du tout. Qu'est-ce qui est mon ami? Je vais voir. J'arrive. Salut l'affreux. T'es trop lent petit scarabée. Et on se fait plein de vie, plein de fragments, puisque c'est important. Cherche l'affreux, bah je suis juste là.
Putain, le Toshkrai, je m'en rappelle plus du tout par contre. Est-ce qu'il y en a vraiment après une étoile secrète? Non, là je de mémoire non. Bon tant pis, tant pis. Encore une misère. Bon, c'est plutôt leur donner une leçon que je vais leur faire, mais bon. Bah écoute, moi je vais pas refuser. Hein. Ah, direct. Oh, il est rouge de rage. On va faire une solution simple. Hein. On va se mettre là, on va attendre qu'il se pointe. Ah, tellement en colère que j'arrive même pas à la voir. Ah, franchement, c'est épique. Putain, ok. Allez, viens mon petit, viens me faire un câlin. Ah, je l'ai eu. Ah non, il est fini. Au revoir. Le pauvre, pas de chance. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est encore les trucs mystères. Le Guanfruluma, ah, ça je vais le faire aussi, tiens. Par contre le... Putain, la comète secrète, je sais même pas si... Je pense que c'est encore un Luigi, je suis plus sûr. Bon, tant pis, de toute façon, on verra. Pas tout de suite, donc ça c'est quoi? Défi du surf. Hop, bonne vibration. Ouais, là des pingouins.
Parier pas quoi. Raymond, c'est mignon. Ça a plutôt du sens en fait. Qu'est-ce qu'ils ont à dire les PNJ? Censuré. Bah oui, je vais en faire, bien sûr. Mission de base. Passer aux choses sérieuses, c'est la course. Et du coup, bien sûr, je dois dépasser les 1h30. Mais bon, celui-là, ah, c'est. Waouh, j'ai un public, c'est trop beau. Mais oui. Par contre, il m'a pas expliqué que pour ne plus sauter. Ça, c'est pas gentil, ça. Mais sûr, sans curseur, je peux rien faire. Alors fais attention quand même. Je vais pas tomber bête. Oh là là là, non non non, non pas tomber. Youpi. Ça c'est beau ça, ça on aime, ça on aime. On suicide, on s'en fout. Yes. Ce que tu vas me dire, on va écoute. Hein. Merci, hein. On va rester poli. Oh, j'ai une galaxie complète. C'est bon ça. Oula. BO2S. The boss. Leur poste avancé. Pas un véhicule, une sorte d'énergie des étoiles. Bon, on va sauvegarder d'abord. Voyez doucement. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça on va faire. Ça je fais après le Guafuluma, ça. Ouais, oh, ça c'est un truc qui est facile. En faisant gaffe à pas me faire piquer. Et il n'y a pas fini dans le trou noir. Dalle jaune exclusivement. C'est compréhensible. Le décor Super Mario Bros. Premier du nom. Oula, j'ai tombé. Non, oula, ça craint. Putain, oh là là, oh là là.
On dégage. Mets la proximité de l'étoile, comme ça c'est encore meilleur. Merci. Facile, facile. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va sauvegarder bien sûr. Hop, donc du coup, j'avais un Gofruluma. Ah, il est juste... Ah non, là, voilà. T'en veux 400, moi j'en ai 700. Ah, je suis bien avancé, moi. Fier de moi. Je suis répu. Transformation. Yes. C'est parti. À nous les bons gâteaux, fabrique de gâteaux. Du sucre, rien que du sucre. On va essayer de tomber dans les trous quand même, puisque hop, on fait ça, on fait ça. Électrique. Non. Ouah, d'entrée de jeu. Ok, d'accord, le jeu. Bon, allez, bref. Passons. Je vais prendre les pièces quand même. Écoute, ça sert aussi à ça. Doucement. Faut prendre son temps. Pas tomber une deuxième fois, surtout. Merci. Tout ramasser aussi, hein. Tant qu'à faire. Ok, ça c'est sur les côtés. Alors, on fait ça. Ouh là là, oh non, pas ce gros trou. Oh, une maison. Tac, voilà, la gaufrette, voilà. Oula, ça y va en diagonale. Oula, oh, j'allais me faire avoir. J'allais me faire avoir. Oula, non. Ah putain, les contrôles de Luigi, c'est affreux. Oula, 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 oula. Non, non, putain, non, mais non, mais non, mais non. Ah, bah, mais c'est pour respawn au moins. Je vais pas aller revenir là-dedans, ça sert à rien. Putain, je trouverai pas le nom du mode de circulation de la plateforme, mais voilà. En tout cas, il est pas. Oula, 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 oula. Voilà, ici c'est bon. Oh putain, ça c'est le meilleur pour la fin. Les palettes. Hop. Pas les bretons. Non, pas tomber, pas tomber, pas tomber, pas tomber. Merci. Sous-tension, sous-tension, sous-tension. Voilà. Yes, la gaufrette. Ah, ouf. Bon, de toute façon, c'est juste... Allez, on rentre.
Bon, moi j'aime le chocolat, mais la menthe, je suis pas trop fan. C'est quand même puissant la menthe, hein, faut pas. Enfin, ça c'est autre chose. Bonne idée, Captain Toad. On prend ça et on rentre. Bon. Ça c'est fait. Ah oui, c'est hors d'homme, donc du coup j'atterris ici. Hop, déjà 10. On va sauvegarder. Non, madame n'a rien à me dire. Bon, allez. Merci. Hop. Du coup, il va me rester la base. Donc, le boss, bien sûr. Hop. Usine de robots. Je vois ce que c'est. Encore la grande étoile qui sert d'énergie. Un truc un truc comme ça en fait. Le gros truc à trois pattes. Sympa comme nom. Très sympa. Bon, ok, donc du coup ça c'est. Faut envoyer une bibo pour le détruire d'abord. Ça. Ah bah au revoir. Ouf, shit. Coucou. Tire-moi dessus. Haha. C'est quoi, donne-moi cette petite vie. Du coup, j'ai à faire une ligne droite. Ouais, une ligne droite. Coucou, viens me chercher. C'est parti. Go. Nous y sommes. What? C'est quoi ça? Oh, bonjour Junior. Tiens, tiens. Ouais, alors te voilà. Mickey, ne dérangez pas pour se débarrasser de toi. À l'attaque, Mégapod. Bah, même aux enjeux, avec ton parfum. Finalement. Bon, d'abord, on va s'occuper de ça. Oh shit, what is that? Ah, d'accord, ma grande étoile est là. Donc, c'est mieux d'aller ici. Oula. Non, voilà. On va casser ça. Oula. Je vais essayer de revenir pas mal si je peux. Tout sous abri, ça va péter. Facile, facile ce boss. Putain, qu'est-ce qu'il est facile. Ouah, c'est trop étoile. Bah non, Luigi, voilà, c'est ici. Regarde cette grande étoile, tellement qu'elle est magnifique. Elle demande plus que tu la prennes dans tes bras. Toute belle, toute scintillante. Bon, là, je serai un poète. Je suis pourri en guise de poète. Allez, on va prendre ça.
Voilà, du coup, deuxième grande étoile de récupérer. Orange ou jaune. Pensez, ça fait penser à mes samurai football, ça. Du rouge au orange. Plus la balle est chargée, plus la balle est claire, plus la balle est chargée, plus tu fais des, tu peux faire des trucs de ouf avec la balle claire et bien chargée. Bon. Du coup, ça c'est bon. Galaxie complète, et d'ouvre corps. Ah, j'en ai deux. Pas mal, pas mal. C'est ce qu'on appelle le brasier. Son intensité est proportionnelle à l'énergie dont dispose l'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu récupères lui est restituée et alimente sa puissance stellaire. Cette force permet à l'observatoire de la comète de parcourir l'univers. Si nous recouvrons toute notre puissance, nous pourrons même nous rendre au cœur de l'univers. Ah, une nouveauté. Un nouveau dôme s'est mis en marche. Ouais, la salle de bain. Nous appelons le dôme qui vient de s'ouvrir la salle de bain. Comme tu as pu voir, la carte n'indique pas seulement la position des dômes, mais aussi celle des galaxies découvertes, ainsi que toutes les sortes d'informations utiles. N'hésite pas à me demander si tu parviens à pas trouver un dôme. Ah, la naissance de la carte. On va sauvegarder tout ça. Et nous allons nous arrêter là après avoir battu un grand boss. Donc du coup c'est bien pour finir un épisode en beauté. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode de Super Mario Galaxy version Luigi. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.